أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à mes enfants. Qu'Allah vous récompense grandement, noblement, généreusement pour votre fidélité, pour, inchallah, votre présence, vos likes aussi, bismillah likez et bismillah aussi partagez, hein. Vous avez compris qu'il était nécessaire et important justement de partager ces lives, que tous ensemble on puisse profiter de ce confinement de manière merveilleuse et qu'on puisse progresser, cheminer, avancer, se ressourcer, s'embellir, embellir notre foi, embellir notre crainte pour Allah Azzawajal et puis embellir aussi ce mois sacré de Ramadan. Qui aurait cru, subhanallah, qu'on allait passer tous ensemble ce mois béni? Un rappel à 15h, Allahu Akbar, c'est vraiment l'impensable, mais avec Allah Azzawajal qui est excellent, tout est possible. Vous voyez que Allah est capable de toutes choses, mashallah. Alors on essaye d'en profiter, on essaye de renforcer cette belle fraternité entre frères et sœurs. Cette fraternité justement qui nous lie, qui nous réunit tous les jours. Mashallah, ça fait plus de 20 jours hein, qu'on est ensemble, puisque Allahu Akbar, je crois que c'est le 26e jour où on avance ensemble. Ça fait bientôt un mois, Allahu Akbar. Le temps passe très très vite. C'est Allah qui a créé le temps, c'est Allah qui gère le temps. À nous aussi de faire en sorte de bien gérer notre temps pendant Ramadan. J'espère hier soir que vous avez passé un bon moment avec la famille et puis que vous avez pu aussi profiter de Salat al-Tarawih, même si ce ne sont que deux unités. Si vous pouvez faire deux unités au minimum, c'est mieux que rien. J'espère aussi que vous avez pu vous lever pour Qiyam al-Layl. C'est vraiment la veillée nocturne, la prière de la nuit. C'est un instant magique qu'Allah Azzawajal nous réserve puisqu'il se rapproche de nous chaque nuit. Chaque nuit, oui, subhanallah, il se rapproche de nous chaque nuit et il nous tend la main. Alors c'est une image, hein, quand je dis il nous tend la main, c'est-à-dire qu'il se rapproche de nous pour qu'on puisse l'invoquer et qu'on lui demande pardon, puisqu'il est là, tout prêt, pour accueillir notre pardon, accueillir notre invocation, accueillir notre demande, accueillir nos larmes, accueillir nos confidences, nos secrets, ce qu'on ne peut pas dire aux autres, ce qu'on cache au fond de nous-mêmes et parfois qui nous fait un peu du mal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges d'admiration et d'amour et de reconnaissance sont pour notre Seigneur et Maître des mondes. Il est excellent dans sa royauté, il est excellent dans son univers, il est excellent lorsqu'il ordonne, il est excellent lorsqu'il interdit. Il est excellent lorsqu'il choisit pour nous ce confinement, il est excellent avec Ramadan, il est excellent la nuit, il est excellent le jour. Il est excellent avec tout le monde, avec les croyants et les non-croyants, avec la nature, avec les animaux, Allah est excellent. Il est excellent quand il donne, il est excellent quand il reprend, il est excellent quand il nous permet de nous réformer tous ensemble. Bismillah likez et bismillah partagez. J'espère que, regardez, subhanallah, ce qu'on a pu faire en un mois et qu'on n'a pas pu faire peut-être dans une vie, eh bien ça c'est vraiment l'excellence d'Allah Azzawajal. Il faut y voir vraiment, vraiment, vraiment la grandeur et la majesté d'Allah Azzawajal. Ce qu'on n'a pas pu faire peut-être dans une vie, on le fait en un mois. Allahu Akbar, regardez la grandeur de notre Seigneur. Ça doit nous donner encore plus de force, plus d'énergie, plus de volonté, plus de détermination. L'objectif est très clair, satisfaire Allah. Prendre parfois sur soi, ça n'est pas évident, subhanallah. Allah nous a dit qu'il allait nous éprouver, nous tester dans les relations humaines vis-à-vis des autres. Fasbiro et patienter. Alors les relations humaines ne sont pas, c'est vrai, parfois évidentes, ça n'est pas très facile, mais Allah Azzawajal a légiféré. Il a tellement légiféré, il nous a tellement inculqué des enseignements spirituels que regardez dans Surat Ar-Rahman, cette sourate, la sourate 55, où Allah Azzawajal s'est nommé Ar-Rahman,
Donc l'excellent dans sa bienfaisance et dans sa considération et dans sa bienveillance. Allah Azzawajal nous dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Allah Azzawajal commence le verset par Ar-Rahman, donc son excellence dans sa bienveillance et dans sa considération, a enseigné le Qur'an avant même de créer l'homme, l'être humain. Ça signifie quoi? Que le Coran, avant même notre création, contenait déjà les enseignements, les lois, les valeurs, les interdits, les histoires. Allah est en train de nous dire quoi? Que les valeurs universelles que j'ai mises en place dans ce monde, dans cet univers, sont encore plus importantes. D'accord? Ce sont vraiment des valeurs sacrées que l'homme, l'être humain, doit mettre en pratique, doit les appliquer. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Il a enseigné les valeurs universelles, il a enseigné le Qur'an avant même la création de l'homme. Alors, dans la purification de l'âme, dans la purification du cœur, on aspire justement à s'imprégner, à enraciner ces valeurs qu'Allah Azzawajal nous a soumises pour notre bien. Il est vraiment bienveillant avec excellence. Et on avait expliqué, je répète, hein, que le roi, c'était le cœur et c'est lui qui donnait les directives. Soit il donnait les bonnes directives, soit il donnait les mauvaises, soit par exemple le ventre agissait dans le bien, soit il agissait dans le mal, soit aussi il donnait les mauvaises directives et les bonnes directives aux parties intimes, soit aussi il donnait les bonnes directives ou les mauvaises directives à la langue. On est en train d'étudier en ce moment ce soldat qui est la langue. On a vu ensemble qu'il était important de ne pas poser de questions, de ne pas demander ou essayer de se renseigner dans ce qui ne nous concernait pas. On a vu aussi ensemble qu'il était important et interdit de ne pas polémiquer entre les quatre écoles pour chercher à savoir qui avait tort et qui avait raison. Ça, c'est très important. Avoir l'avis d'une école ou de deux écoles ou de les comparer, c'est permis. Mais de mettre l'intention, d'en faire valoir une au détriment d'une autre, ça, c'est interdit dans l'islam. Ou bien de polémiquer sur les désaccords qu'il y a eu entre les compagnons. Ou aussi de porter notre regard et de parler des gens du péché ou bien d'aller par curiosité regarder ce que font les gens du péché. Ça peut être l'horoscope, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, voilà, ça peut être la vie des stars, etc. C'est leur vie privée, c'est vrai qu'ils l'exposent, mais s'ils sont dans le péché, on s'en abstient. On va avoir, Inch'Allah, ensemble aussi d'autres maladies qui font partie du quotidien des époux et des épouses, du quotidien des parents avec leurs enfants, du quotidien entre frères et sœurs, du quotidien entre amis, du quotidien dans le travail islamique, dans la communauté, dans le travail aussi professionnel. Il peut y avoir des glissements, il faut absolument connaître ces maladies parce qu'elles conduisent au péché. Allah Azzawajal nous a dit, La tas'alou, ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez véritablement, La tas'alou an ashya'in in tubda lakum tasu'ukum. Ne posez pas de questions au sujet de certaines choses. Que si vous avez la réponse, cela vous fera du mal. Donc, voyez que quand je demande quelque chose à quelqu'un et je sens qu'il n'a pas envie de répondre ou ça le gêne, et puis il peut me répondre de manière blessante, voyez, subhanallah, le cœur, il sait. Parfois, il faut poser la question, c'est nécessaire, mais parfois, il faut suivre aussi son cœur et se mettre une limite et ne pas tomber dans le péché. Et puis polluer les relations, et ça va prendre de la distance, et puis ça va causer des conflits au sein des familles, au sein des relations, de toute forme de relations. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam.
Ce Coran guide et tire vers le meilleur. J'espère que vous avez bien ancré ce verset. J'espère que ce verset, vous l'avez bien maîtrisé, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien médité. Ce Coran, quand on médite les enseignements coraniques, quand on médite les textes d'Allah, les textes du prophète, alayhissalatu wassalam, oui, c'est vrai, ça tire vers le meilleur. On se rend compte qu'on a fauté, qu'on s'est trompé, que parfois on n'a pas pris le bon chemin, le meilleur chemin. Eh bien, on rectifie le tir, tout simplement. On recule et on change de voie. On fait demi-tour et puis on avance, d'accord, avec un objectif bien précis, bien déterminé, celui de uniquement satisfaire Allah, puisqu'on le dit tous les jours, 17 fois, seul toi, ya Allah, seul toi, tous ensemble, nous t'adorons, et seul auprès de toi, ya Allah, tous ensemble, nous demandons ton aide. Guide-nous vers le droit chemin, c'est aussi guide mon cœur vers le droit chemin. Guide les soldats de mon cœur vers le droit chemin. C'est aussi ça, subhanallah, parce qu'il faut sauver sa personne du feu de l'enfer. Il faut aussi se concentrer sur soi-même, regarder ses propres défauts, ne pas se pencher sur les autres. C'est une perte de temps. C'est aussi une accumulation de péchés. Il est important de se ressourcer, de se maîtriser, de s'améliorer pour être le meilleur et pour le meilleur qui est le Firdaus al-A'la, le magnifique jardin qu'Allah nous a promis. Et puis hier, on avait expliqué le verset aussi, ce jardin al-Firdaus où on n'aimerait pas en sortir. Ce Coran est aussi un moyen de guérison. Ce Coran que nous faisons descendre est un moyen de guérison pour le cœur, pour l'âme, pour le corps aussi. Subhanallah, on avait expliqué que sourate al-Fatiha pouvait être aussi un moyen d'apaisement en mettant sa main par exemple sur la poitrine quand on était stressé, dans l'anxiété. Et puis on récite cette fois la Fatiha, c'est aussi un moyen de guérison en récitant la Fatiha dans un verre d'eau. Et puis pour se soigner, quand on n'est pas bien, c'est une ruqya. Au lieu d'aller chercher ailleurs, regardez la force et l'excellence d'Allah Azzawajal dans cette sourate, dans cette lumière qu'Allah nous a offerte, seule à notre communauté, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le croyant doit absolument rechercher toujours et toujours la vérité. Et puis quelle vérité? La vérité de celle de son existence. Pourquoi j'ai été créée? Qui est mon créateur? Qui est Allah? Il a les 99 noms excellents. Chaque soir, depuis hier soir, hein, à 18h30, vous avez l'explication du Cheikh Yasser. Je crois qu'il s'appelle Cheikh Yasser. Et subhanallah, il apporte beaucoup de connaissances puisque le cœur doit être nourri d'amour pour Allah, mais aussi de connaissances. On ne peut pas adorer Allah Azzawajal à notre guise, ou avec du doute, ou avec ignorance. Il mérite, il est tellement excellent dans sa bienveillance envers nous, qu'il mérite qu'on se penche vers sa connaissance, qu'on savoure qui est Allah Azzawajal pour se fixer un objectif très noble, celui de se rapprocher, celui de renouer, celui de créer de l'intimité avec Allah, de l'affinité, pour pouvoir s'élever, élever notre âme et le rencontrer après le jour du jugement. Pourquoi on est sur terre? On est sur terre justement pour purifier notre âme, pour justement remplir notre cœur d'amour et de connaissance d'Allah Azzawajal. Déjà, il y a beaucoup à faire, hein, sa connaissance à lui. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à connaître les autres. La connaissance d'Allah est vraiment un très très bon cadeau, puisqu'elle aspire la sagesse, elle aspire la justesse, elle aspire l'humilité. Et c'est ce qui nous est demandé pendant Ramadan, surtout de parvenir justement à cette grande humilité, la crainte d'Allah. C'est quoi aussi? C'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est cette forte humilité, c'est de se sentir tout petit, tellement petit, 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 que là on reconnaît nos erreurs, nos défauts, nos péchés. Et puis c'est aussi une force, l'humilité. Même si on n'a peut-être pas commis des erreurs, des péchés, eh bien, subhanallah, tout simplement parce que c'est une preuve d'humilité par rapport, hein, envers le grand, le très grand, le plus grand Allah Azzawajal, et surtout l'excellent, le parfait,
dans son être, le parfait dans son univers, le parfait quand il nous a créés et le parfait quand il nous a demandé de l'adorer. Un objectif sans stratégie n'est qu'un rêve. Je répète, un objectif sans stratégie, sans développer de stratégie, reste qu'un rêve. De se dire, mon objectif, c'est de me rapprocher d'Allah, certes, mais je dois développer une stratégie. Sinon, ça reste qu'un rêve. Ah ben, je rêve, je pense, j'imagine, j'aimerais. On se doit de développer une très belle stratégie. Le confinement est une stratégie. Reprenez tous les lives si vous les avez manqués, c'est très très important. De les voir, de les revoir, de les partager. Ce sont vraiment des beaux cadeaux, ce sont des sadaqat, ce que vous êtes en train de faire, de partager. Bismillah likez, bismillah partagez, oui, mashallah. Vous allez avoir des récompenses parce que là, vous partagez des choses utiles, utiles dans l'action, utiles aussi dans le comportement, utiles pour soi et utiles pour la communauté. Il est important de se remettre en question et de renouveler son intention, d'être sincère avec Allah Azzawajal dans nos actes, dans nos paroles, dans nos gestes, dans ce mois béni et sacré. Et il est important de définir un objectif, certes, mais de développer aussi une stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir renoué avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surat al-Fatiha, renoué avec Salat. On a renoué avec le repentir, on a essayé d'ancrer tout cela et j'espère que c'est vraiment ancré. Et puis aussi d'ancrer le cœur, qu'il soit enraciné, qu'il est là pour Allah Azzawajal, qu'il est là pour être purifié. On avait expliqué que le cœur était un diamant, qu'il était pur et qu'il fallait aussi le purifier de toutes les couches qui étaient autour de ce cœur, ben, notamment, les péchés du ventre, les péchés des parties intimes. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques lives, on est en train de purifier la langue, qui est aussi un des soldats du cœur. C'est très important d'enlever toutes ces couches, ok, d'être conscient déjà que c'est une erreur pour pouvoir s'en laver, pour pouvoir la corriger. Et il est important, subhanallah, de maîtriser toutes ses passions, tous ses péchés pour pouvoir bien purifier. Et j'espère que vous continuez toujours avec l'estighfar, demander à Allah Azzawajal pardon régulièrement pour les petits et surtout aussi pour les grands péchés. Allah Azzawajal nous a dit qu'il allait nous éprouver, nous tester, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire, quel est le meilleur, quel est justement parmi nous le meilleur qui va œuvrer. Il est important d'œuvrer de manière sincère, il est important de se remettre en question et de se dire que je suis régulièrement sous test avec les proches, avec l'extérieur, avec l'intérieur, et qu'il fallait choisir d'être le meilleur, the best. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc Allah nous a lancé le défi, à nous de relever le défi, d'être le meilleur dans nos paroles, d'être le meilleur dans la patience, d'être le meilleur dans le pardon, d'être le meilleur dans la prière, d'être le meilleur, se préparer pour l'au-delà, se préparer pour la mort. Chaque test me donne le choix. Soit je me comporte de manière juste, soit je me comporte de manière injuste. Allah Azzawajal nous dit aussi, j'aime bien reprendre ce verset de sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 31. Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahideen minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Et nous vous testerons pour faire apparaître ceux parmi vous qui font les efforts et qui se montrent patients. Et nous vous tiendrons informés pour votre test. Donc sur terre, on se doit de faire les efforts, de passer le test. Et le test dans tout, on ne choisit pas les tests, c'est Allah qui nous les impose. À nous d'être le meilleur, de relever le défi, de se fixer un objectif et de développer une stratégie. Dans Sourate Al-Baqara, le verset 37, Allah Azzawajal nous dit « فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » Et Adam a reçu de son Seigneur des paroles et accepté son repentir. Certes, c'est lui
qui accueille avec excellence le pardon, et c'est lui le bienveillant par excellence. Vous voyez, subhanallah, que même Allah a enseigné à Adam comment demander pardon, et il avait avec Hawa manger de l'arbre fruitier interdit, et Allah va lui enseigner comment demander pardon pour son erreur, pour la faute qu'ils ont commise tous les deux. Allah va enseigner, Adam alayhi salatu salam avec Hawa vont demander pardon à Allah azawajal, et Allah va accueillir, accepter leur repentir. Donc il est important de se dire que même si j'ai fauté, comme nos parents Adam et Hawa, eh bien, je me dois de me laver régulièrement, constamment, en permanence de mes péchés. En termes de péchés, on va revenir à la langue. On va développer, inshallah, trois maladies concernant la langue. La première, c'est al-mira, c'est-à-dire le mépris verbal. Et vous allez voir, subhanallah, que on peut tomber très facilement dans ce péché. Puisque al-mira, ou le mépris verbal, c'est le fait de chercher l'erreur dans les propos de l'autre. Donc, quand quelqu'un parle et que je n'accepte pas ce qu'il m'a dit, je vais le contrer en essayant de chercher l'erreur dans ses propos. Oui, mais tu as dit, dans le mot, dans le sens, et puis aussi même dans ce qu'il voulait dire. Voilà, non mais tu as voulu insinuer, tu as dit. Vous voyez, maintenant on rentre dans l'intention. Donc, si je prends au mot une personne et que j'essaye de trouver sa faille, son erreur, eh bien, par exemple, je vais critiquer sa phrase. Oui, mais toi, tu ne sais pas parler. Vous voyez, ça c'est du mépris par rapport à ce que la personne dit. Ensuite, dans le sens, oui, mais ce que tu dis, c'est du vent, c'est n'importe quoi. Donc le premier, tu dis, tu ne sais pas parler. Ensuite, c'est du vent, tu ne sais pas parler. Ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. Et dans l'intention, c'est-à-dire, tu veux juste parler. Je suis sûre que quand tu nous as proposé justement ta collecte de dons, je suis sûre que tu voulais juste te montrer. Et que toi, au fond, tu t'en fiches. Oui, subhanallah. Nos paroles nous conduisent au péché. D'avoir jugé les propos de l'autre. De s'être moqué de sa phrase. Oui, mais tu ne sais pas parler, tu n'es qu'un blédard, par exemple. Non, mais toi, on ne t'a pas appris à parler. Tu devrais retourner à l'école. Vous voyez, subhanallah, ça, c'est des péchés. Et ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. Tu ne sais pas parler, c'est du n'importe quoi. Pire encore, on rentre dans l'intention, celle qui appartient uniquement à Allah. C'est un secret entre nous et Allah. Et là, on va lui dire, mais au fond, tu t'en fiches. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'amasser l'argent. On sait très bien que c'est ce que tu fais régulièrement. Vous voyez, subhanallah, de rentrer dans l'intention, dans les cœurs des gens. Critique, mépriser. Mépriser les mots, mépriser le sens et mépriser l'intention. Allahu Akbar. Là, on est en train de se dire, subhanallah, qu'on devrait faire très très attention à ce qu'on dit. Al-mira, c'est le mépris dans les paroles de l'autre. Je reprends. On méprise les mots que l'autre prononce, donc tu ne sais pas parler, t'es nul, ta manière de parler, faudrait que tu la revoies. T'es qu'un blédard, tu retournes à l'école. Ensuite, on méprise aussi le sens. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens, c'est que du vent, et aussi l'intention, juger l'intention. Et de dire, par exemple, subhanallah, tu veux juste te montrer, tu nous demandes de faire le khir, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est juste de parler, de te montrer vis-à-vis des autres. Là, on rentre vraiment dans le péché. Je fais exprès de répéter, il faut absolument purifier son cœur avec l'estighfar, purifier le soldat du cœur qui est la langue. Il faut faire très très attention. On a cité quelques maladies de la langue qui viennent de la maladie du cœur. Le repentir est nécessaire, subhanallah. Et ce qui provoque aussi par la suite, de l'animosité, des tensions entre les personnes, des tensions entre les gens, des tensions entre les proches,
On est agacé et puis ce qui réveille cette forme de mépris chez la personne qui méprise, c'est la colère. Les gens souvent qui ont un trop-plein de colère en eux-mêmes, eh bien ils vont se mettre à mépriser les autres, même dans leur façon de parler. Et ça, c'est très très important de comprendre encore une fois qu'il est nécessaire, vital et même urgent de vider sa colère. On va y revenir, Inch'Allah, puisqu'il y a d'autres maladies du cœur et de la langue. Et il faut absolument les connaître pour pouvoir les maîtriser et ne pas mépriser justement les autres. Il est important de vider son cœur. S'il vous plaît, faites rak'atayn, c'est Ramadan. Il faut prier 2 unités. Il faut demander à Allah Azzawajal de soulager notre cœur et de vider surtout son cœur. Si le cœur il est rempli de tristesse, de colère, de frustration, d'incompréhension, de rancœur, de haine, de jalousie, s'il vous plaît, commencez à vider. Chacun doit le faire. Moi, j'ai fait ce travail et je m'en vante, c'est-à-dire que je vous dis que moi aussi, regardez, moi aussi, ça peut m'arriver et je procède ainsi. Il faut absolument vider son cœur par rapport à toutes les personnes à qui on a eu à un moment donné des liens qui ont été néfastes pour nous-mêmes, néfastes pour la personne. Il faut se prosterner. Allah nous dit wasjud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Se rapprocher, c'est pour vider aussi. Vider son cœur et demander à Allah qu'il soulage ce cœur, qu'il soulage nos peines, qu'il soulage nos frustrations, nos colères, nos tristesses. Et il est le meilleur des confidents, il est le confident par excellence. Il faut absolument vider son cœur pour pouvoir le remplir d'amour, de connaissance, de joie, de bonheur, de force, d'humilité, de lumière surtout. C'est lui qui nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres, c'est quoi aussi? Ben, ce sont les péchés de la langue, ce sont les maladies du cœur, les passions. Tout ceci doit être purifié. Je vous ai dit qu'il fallait purifier le diamant, enlever les couches qui étaient au-dessus. Eh bien, ça fait partie. Tout ce qui est dans le cœur, et vous savez, l'expression, on en a gros sur le cœur. Il va falloir vider et se rapprocher d'Allah. Wasjud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi, Allah nous a dit. La personne qui agit ainsi, quand elle cherche à mépriser les mots, le sens ou l'intention de son interlocuteur, elle cherche à détruire l'autre et à le mépriser. Alors, de manière inconsciente, hein, parce que tout ceci, hein, nos péchés qui se sont accumulés, nos défauts, c'est aussi de l'ordre de l'inconscient. Je ne suis en train de juger personne et personne n'a le droit de juger quelqu'un d'autre. On essaye de déblayer, on essaye de nettoyer, on essaye de purifier pour se sentir encore plus léger. La personne qui agit ainsi, elle essaye de dévoiler les failles de l'autre. Donc le mépris, je répète, dans les mots, le mépris dans le sens, le mépris dans l'intention. La personne, elle est pleine de colère, trop de colère, un excès de colère à l'intérieur d'elle-même, et elle cherche à détruire et à mépriser la personne tout en essayant de dévoiler ses failles, ses défauts. Ça peut nous conduire au péché. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rabaisser l'autre sans raison. Alors, comment se comporter si la personne en face parle? Eh bien, soit la personne, elle va dire la vérité, d'accord, et on accepte sa vérité, soit elle va dire autre chose pour ne pas tomber, hein, justement dans ce mépris, soit elle va dire autre chose qui est contraire, par exemple, à la religion. C'est-à-dire qu'elle a rendu licite ce qui est licite ou bien elle a rendu illicite ce qui est licite. Là, on intervient mais avec bienveillance. Comme Allah a demandé à Moussa alayhi salatu wassalam d'intervenir, d'agir et de réagir avec bienveillance avec Pharaon, eh bien nous aussi, on se doit avec nos proches, avec tous ceux qui nous entourent, d'agir avec bienveillance dans nos propos, dans nos paroles.
Et parfois, se taire, c'est un péché. Quand on voit que quelque chose est interdit et que la personne a dit le contraire, il est nécessaire de réagir. Sinon, le silence est préférable. Au lieu de tomber dans l'excès, le mépris, la colère, vaut mieux garder le silence. C'est encore plus noble, plus digne, plus juste. Il y a un autre péché de la langue. Lorsque le cœur est malade, c'est El Jidel, la polémique. Et la polémique, c'est quoi au juste? Parce que la première maladie de la langue et du cœur, on avait dit, c'était El Mira, le mépris. C'est-à-dire qu'on veut faire mal à l'autre. Là, dans la polémique, il faut bien comprendre la différence. Elle consiste à ce que je montre que c'est moi qui sais, qui comprends, que l'autre ne comprend pas et que c'est moi qui a la preuve. Donc il y a là une forme d'orgueil. Donc c'est le moi, le je, le moi surtout qui est en avant. Dans le péché qui précédait, El Mira, on veut faire mal à l'autre, on est dans le mépris de l'autre. Là, c'est le moi qui est mis en valeur, on est pris d'orgueil. Allah Azzawajal nous dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 83, wa qulu lin-nasi husnan wa aqimu s-salata wa atu z-zakat. Et dit aux gens des paroles bienveillantes. Allah a dit aux gens. Il n'a pas précisé les croyants, les non-croyants, la famille, les proches, les amis. C'est tout le monde. Et dit des paroles bienveillantes, douces et agréables aux gens. Donc, sans mépris, sans orgueil. Allah ajoute « Wa aqimu s-salata wa atu z-zakat » et accomplissez la prière et aussi apportez la zakat. Allah Azzawajal parle justement de la noblesse dans les paroles avant même la salat. Comme si Allah Azzawajal nous disait « Ce que tu fais avant la prière, ça aura des conséquences aussi dans ta prière. » Et comme ça aura des conséquences aussi dans ta prière, eh bien, il est important que tu purifies ton argent. Alors, ceux qui sont imposables, bismillah, mais ceux qui ne sont pas imposables, je vous invite à faire sadaqa. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, sadaqa tutfi au ghadab ar-rabb. L'aumône éteint la colère d'Allah azawajal. Alors, vous voyez comment on peut glisser facilement dans nos propos, dans nos discussions, dans nos échanges, dans nos messages, via les réseaux sociaux, quand on commente, quand on partage, etc. On peut vite glisser. On le dit peut-être avec la parole, mais parfois on le dit sans la parole, mais avec la main qui va bouger et qui va se mettre à faire la même chose qu'avec la langue. Vous voyez, quand on tapote sur notre clavier, eh bien, on ne le fait pas avec la langue, mais on le fait aussi avec la main. Dans Sourate Ghafir, le verset 56, Allah nous dit: Inna alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighih fasta'idh billah innahu huwas sami'ul basir. Certes, ceux qui polémiquent les versets d'Allah sans preuve, venant de la part d'Allah, en fait, il y a dans leur poitrine de l'orgueil. De l'orgueil qu'ils n'atteindront pas. Demande la protection d'Allah, il est certes celui qui entend avec excellence et voit et observe avec excellence. Allah nous dit, ceux qui polémiquent les versets d'Allah. Les versets sont très clairs. La majeure partie des versets du Coran, la majeure partie, les trois quarts du Coran est très claire. À nous d'aller vers la science, vers le tafsir, l'explication que les savants ont apportée. Ils ont donné du sens au verset. Ça peut nous paraître insignifiant de premier abord. Il est important à chaque fois d'avoir recours au tafsir, c'est-à-dire à l'explication, au sens que les savants ont apporté. Ceux qui polémiquent les versets d'Allah sans preuve venant de la part d'Allah. Vous voyez, parfois on aime bien polémiquer au sujet du voile, on aime bien polémiquer au sujet des intérêts, alors qu'Allah Azzawajal a légiféré et les savants ont apporté
une explication. Si je prends par exemple les intérêts, Allah nous dit « Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba » Allah a permis à légiférer la vente, le commerce, et il a interdit al-riba. Pourquoi parfois certains vont chercher, et ça revient dans les questions, c'est important de comprendre, de prendre conscience que certains vont aller chercher un avis religieux. Mais Allah a légiféré, c'est très clair. Pourquoi chercher un avis pour répondre à un besoin? Un besoin peut-être qui nous attache au bas-monde, qui nous rattache au bas-monde, qui nous ancre au bas-monde. Il est important de revenir, de purifier son cœur. Pourquoi on cherche à purifier notre cœur et notre âme? Pour avoir la clairvoyance. Un cœur illuminé va comprendre. Un cœur illuminé, Allah va l'orienter. Wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Et craignez votre Seigneur et Allah vous enseignera. C'est, fi surat al-Baqara, c'est très clair. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Le sujet du voile, par exemple, qui est jusqu'à aujourd'hui, depuis voilà, quelques mois, on a polémiqué, c'est très très clair. Si on a recours au tafsir, parce que la langue arabe est tellement noble, elle est tellement belle, elle est tellement profonde, qu'il faut connaître la racine du mot, le sens, ce que ça signifiait chez les Arabes à l'époque, que quand on va traduire, quand on va apporter un sens, il va falloir se tourner vers ceux qui sont doués de science. On ne peut pas s'amuser à prendre un verset sans explication, sans la preuve d'Allah. Et les savants, Allah leur a permis, il leur a donné ce droit, et les autorités ont reconnu certains savants. Pourquoi être plus royaliste que le roi? Et quand le cœur est plus royaliste que son Seigneur, eh bien il a recours au péché. Et vous voyez que Allah Azzawajal, quand il mentionne la salat, il va nous dire Ada'u salat wa taba'u shahawat. La réponse, elle est fait le Coran, c'est très clair, ils ont perdu la salat. Quand il parle de ceux qui se lèvent pour la salat, wa qamu kusala, ils se lèvent pour la prière en étant paresseux, ils n'ont pas envie. Allah va décrire tout cela, fait le Coran. C'est vrai qu'il y a une part apparente, une part cachée, mais on se doit d'aller chercher la science, la connaissance d'Allah à travers le sens de ces nobles versets, de ces signes. En fait, il y a dans leur poitrine de l'orgueil. Quand on polémique, quand on ne veut pas accepter la vérité, c'est ça. On va aller chercher une fatwa, un avis religieux, parce que dans notre cœur, il y a une maladie qui s'appelle l'orgueil, et je vais y revenir, Inch'Allah. Ça, c'est très important de l'étudier, de comprendre qu'est-ce que l'orgueil exactement. L'orgueil, ça consiste en quoi? De ne pas accepter la vérité et puis aussi de se croire plus supérieur que les autres. De se croire meilleur que les autres. Allah nous dit, certes, ceux qui polémiquent les versets d'Allah sont sans preuve venant de la part d'Allah. En fait, il y a dans leur poitrine de l'orgueil qu'ils n'atteindront pas. Puisque dans l'orgueil, il y a le kibr. Le kibr, l'orgueil n'appartient qu'à Allah. Et puis quand on dit Allahu Akbar, il y a le mot, la racine kef, ba et ra. L'orgueil, c'est quoi? Quand il n'appartient qu'à Allah, c'est-à-dire qu'Allah est supérieur sur tout. Il est plus grand que tout. Il est au-dessus de tout. Allahu Akbar. Alors quand je suis pris parfois par une maladie du cœur, une maladie de la langue, c'est bien de faire du dhikr, de prendre conscience, d'accord? On avait dit qu'un cœur, le roi, quand il était roi, il prenait conscience de son erreur et il se purifiait aussi. Il est important de maîtriser l'istighfar, de se dire Allahu Akbar, quand on est dans un doute, quand on est dans un péché, quand on est tenté de commettre un péché, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est encore plus important que ce que je veux faire. Et là, je vous assure, on se remet dans les rails.
Et Allah ajoute, demande la protection d'Allah. Il est certes celui qui entend avec excellence et observe avec excellence. Demandez la protection de quoi? Demandez la protection d'Allah contre justement la polémique et contre l'orgueil, parce que on se dispute le manteau d'Allah, c'est-à-dire le manteau de l'orgueil. Et on peut tomber dans la polémique très facilement quand on veut répondre à nos propres intérêts. Il est important aussi de comprendre quand on tombe dans al-jidal, la polémique, on va se montrer supérieur aux autres et puis on va dire mon école, mon avis. Hein, on avait expliqué que toutes les écoles se valent, elles étaient complémentaires et que parfois dans telle situation, telle école me convenait mieux parce que je n'ai pas le choix, je suis dans la contrainte. Et puis dans l'orgueil, dans cette forme d'orgueil, dans la polémique, on cherche à annuler la vie de l'autre. C'est une forme de mépris, mais c'est surtout une forme d'orgueil parce qu'on se sent supérieur et on veut faire valoir son avis et dire à l'autre qu'il a tort. Et puis parfois ce sont des querelles hein, dans les familles, dans les relations conjugales, entre amis, dans la communauté, dans le travail islamique, dans les réunions, c'est mon avis. Et là on peut tomber facilement dans l'orgueil. Un maître a dit un jour à son élève, si tu aimes parler, alors se taire est préférable pour toi. Et l'élève a répondu à cette phrase, je vais la répéter, si tu aimes parler, alors se taire est préférable pour toi. L'élève lui répond, alors quand est-ce qu'il est bon de parler? Et le maître lui répond, lorsque tu apprécies le silence. Si tu connais la valeur du silence, tu connaîtras aussi la valeur de la parole, c'est-à-dire que quand tu vas parler, tu vas parler et tu vas mesurer, tu vas parler et tu vas peser, et ça sera ça la justesse dans les paroles. Souvenez-vous, dans Sourate Ar-Rahman, Allah nous dit Ar-Rahman, wa'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, il lui a enseigné aussi la clairvoyance. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها il a élevé le ciel ووضع الميزان et il a établi la balance entre les cieux et la terre ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان et ne soyez pas injuste envers la balance. Être injuste vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de la salat, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis aussi de son cœur, vis-à-vis des soldats du cœur. De ne pas être juste dans ses propos et de dire du mal des autres, de dire du mal par rapport aux autres, de poser des questions qui ne nous appartiennent pas, de mépriser, de critiquer. Vous voyez, subhanallah, on est dans l'injustice et ce n'est pas anodin qu'Allah nous ait confinés pour qu'on puisse rétablir la balance, l'équilibre dans nos relations familiales, dans nos relations conjugales, de se remettre en question pour améliorer notre communication, pour améliorer aussi cette douceur et cette bienveillance dans nos propos, parce que nos propos, ce sont parfois des propos catalyseurs, ils font mal, ils scient, ils hachent. C'est du mépris, c'est de l'orgueil, il va falloir soigner et purifier tout ça, c'est encore une couche à enlever. Une couche et une autre couche, vous allez voir, subhanallah, qu'on va encore en quelques séances. Il va falloir connaître les maladies de la langue, les maladies du cœur pour pouvoir purifier. Ce confinement, il est là pour ça. Et puis Allah mettra encore plus sa baraka pendant Ramadan pour qu'on puisse nettoyer plus facilement. Il nous accompagnera, Ya Allah, tu es par excellence celui qui nous voit, celui qui nous entend, celui qui aide par excellence, Ya Allah, nous te demandons ton aide pour purifier ce cœur, pour purifier tous les soldats du cœur. Lorsque tu apprécies le silence, c'est là où tu sauras que parler c'est bon, mais aussi se taire c'est également bon. Une autre maladie de la langue, mais aussi une maladie du cœur qui nous conduit forcément au péché, c'est Al-Khusoum. La dispute, elle peut être pour des raisons valables. Al-Khusoum, c'est la dispute. Hein. Et elle peut être pour des raisons non valables. Alors,
On est pendant Ramadan et il s'est passé un événement à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment en être conscient, le maîtriser, l'ancrer, l'enraciner et s'en rappeler même après Ramadan, cette fameuse nuit du destin. Et qui n'a pas rêvé de connaître la nuit exacte, d'avoir les signes de la nuit du destin et de savourer cette nuit dans l'adoration d'Allah, comme si on avait adoré Allah Azza wa Jal 1000 mois. Eh bien, subhanallah, un soir, alors que Allah Azza wa Jal avait révélé, décidément, la date de la nuit du destin, en chemin, le prophète alayhi salatu wassalam va rencontrer deux hommes qui se disputaient. Et Allah va retirer cette rahma du cœur du prophète alayhi salatu wassalam, et il va oublier la date exacte de la nuit du destin. Une rahma est partie parce que deux compagnons se disputaient. La nuit du destin. Et quelle magnifique nuit que la nuit de la valeur. Al-Qadr, c'est la valeur. La valeur de l'adoration, la valeur des invocations, la valeur de la fraternité, la valeur de la communauté, la valeur du destin, la valeur des noms d'Allah, de sa force, de sa puissance. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre ce Coran quand? Pendant la nuit du destin. Mettons à partir de maintenant, et je vous avais dit depuis le premier jour où on fait la purification de l'âme, on met notre intention de purifier notre cœur avec l'aide d'Allah. Ya Allah, à partir d'aujourd'hui, je décide de réformer mon cœur, je décide de réformer ma salat, je décide de réformer la fatiha, le repentir, je décide de réformer aussi mon lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon lien avec le dhikr, mon lien avec la communauté, mon lien avec la fraternité, mon lien avec la famille. Et dans la famille, je réforme ma langue. Qui n'a pas rêvé de la nuit de la valeur, la nuit du destin, comme si on avait une récompense de 1000 mois, de plus de 80 ans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'âge qu'on a actuellement, soit on le multiplie par 2, soit on le multiplie par 3, soit on le multiplie par une seule fois, subhanallah. Et Allah nous dit, j'enlève une rahma parce que entre vous, ça ne va pas. Et vous voyez qu'avec le confinement, ça n'est pas très facile, hein, les relations humaines, les relations conjugales, les relations familiales, les relations parents-enfants. Les relations parentales, les relations avec tous ceux qui nous entourent, nos proches, il va falloir faire attention aux disputes, ce qui sort de notre langue. C'est le fait de parler avec sa langue pour revendiquer un bien ou un droit. C'est mon haqq, c'est mon bien, tu dois me le rendre. Voilà la dispute. Donc ces deux hommes se sont disputés. Et Allah a fait oublier à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la date de la nuit du destin. Il se peut que si on se réforme tous ensemble cette année, ce mois de Ramadan 2020, 1440, qu'Allah nous offre la clairvoyance et qu'on puisse déceler facilement cette nuit. À nous de nous retenir. À nous de demander à Allah de nous accompagner, de demander l'aide excellente de notre Seigneur. Sa compagnie est excellente. Quand il répond aux invocations, c'est de manière excellente. Quand il entend, c'est de manière excellente. Quand il voit et qu'il observe, c'est de manière excellente. Et quand il voit qu'on veut faire l'effort, il répond à nos efforts de manière excellente. Il faut ancrer, enraciner l'excellence d'Allah et de se dire qu'il faut, à partir de maintenant,
faire preuve de grande humilité et que c'est vrai qu'on a des efforts à faire. Il y a ce chantier à déblayer. Mais c'est un chantier qui en vaut la peine. Allah, il nous a dit, je vais voir, je vais observer ceux parmi vous qui vont faire les efforts. Pendant qu'on fait l'effort, le regard d'Allah est présent et c'est magnifique. Bismillah, on fait les efforts. Bismillah, on prend sur soi. Bismillah, on patiente. Bismillah, on se retient. Bismillah, on se maîtrise. Bismillah, on se purifie. Fa innaka bi'ayunina. Fa innaka bi'ayunina, c'est-à-dire que tu es sous notre protection. On t'observe, on te regarde, tu es sous notre protection. Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on demande de plus? Allah, il nous teste, il nous dit, je veux voir, je veux que un tel, je veux le tester pour savoir comment il va faire les efforts, comment il va cheminer, comment il va apprécier m'adorer, comment il va apprécier faire les efforts, comment il va apprécier pardonner, comment il va apprécier maîtriser sa langue, purifier son cœur, comment il va savourer Ramadan. On est sous test. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qui est the best parmi vous? On est tous the best. Le the best, c'est celui qui se prouve à lui-même qu'il est the best pour lui-même. Je ne cherche pas à... C'est vrai que c'est une concurrence dans le bien, Ramadan. D'accord, Allah nous a dit qu'il rentre en concurrence ceux qui veulent rentrer en concurrence. La concurrence dans le bien est noble. Quand chacun tient la main de l'autre et tire l'autre vers le haut, c'est ça, grimper tous ensemble la montagne. C'est-à-dire que tu n'es pas mieux que moi et je ne suis pas mieux que toi. Et que je vais quand même prendre ta main parce que moi, je suis convaincue quand je dis « Ehdina sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous tous ensemble sur le droit chemin. Je tiens ta main aussi, je ne veux pas te mépriser. Je ne suis pas dans l'orgueil et je veux ton bien aussi. » C'est ça la vérité, c'est ça être juste envers soi-même et être juste envers les autres. Vous comprenez qu'il est important de maîtriser, d'ancrer, d'enraciner « Ihdina sirata mustaqim ». Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Il n'y en a pas un moins bien que l'autre. On est tous ensemble « the best » pour « the best ». C'est Allah, Allahu Akbar. Allah est au-dessus de tout, il est excellent, il est magnifique, sa beauté est magnifique. Et il est magnifique dans sa beauté et son pardon. Il est excellent dans sa beauté et sa beauté est excellente. Quand il pardonne avec excellence. Alors nous aussi, on se doit de s'en inspirer. Allahu Akbar kabiran wa alhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ça fait du mal à l'autre de le mépriser dans ses propos. Ça fait du mal à l'autre et je me fais du mal à moi-même quand je suis dans l'orgueil, dans la polémique. Et puis ça fait du mal à tout le monde, à toute la communauté quand on est dans les disputes conjugales, les disputes fraternelles, les disputes amicales, les disputes dans le travail, toute forme de dispute va enlever la rahma d'Allah. On est confiné, on est éprouvé certes, mais on se doit d'arriver avant la salat avec un cœur pur et purifié. On ne tombe pas dans la polémique, dans le mépris et dans les disputes. Le silence est d'or, le silence vaut la récompense infini d'Allah. Il faut le firdaus al-a'la. Alladhina hum 'ani al-laghwi mu'ridun. Ceux qui se détournent des propos et des actes futiles. Il faut peser nos mots. Tout mot va être pour nous ou contre nous. Yawma tashhadu 'alayhim al-sinatuhum, le jour où leurs langues vont témoigner pour eux ou contre eux. À nous, subhanallah, de préparer nos bagages, de préparer nos sacs de voyage. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on peut se tromper quand on met quelque chose dans notre sac de voyage. Eh bien, on l'enlève tout de suite. Et quand on l'enlève, on fait de l'estighfar. Ya Allah, pardonne-moi, je me suis trompée. Et puis, de demander aussi pardon à la personne, c'est noble. Et on viendra plus tard sur ce point, c'est-à-dire qu'on peut fauter avec la langue, mais il est important aussi de revenir, de demander pardon. Purifier son cœur, vous voyez, pour élever l'âme, la purification du cœur pour la purification et l'élévation de l'âme. On mérite tous, on a tous un cœur diamant, il faut juste enlever les impuretés. Ce qui est malsain, ce qui fait du tort,
tous ensemble, on met l'intention quand on va réciter Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est de purifier son cœur pour purifier aussi les soldats, junoud al-qalb. La dispute, c'est quoi? C'est le fait de dire avec la langue, ok, et de revendiquer un droit ou un bien. Alors, on revendique un droit ou un bien pour une raison valable. Ça veut dire quoi? Tant que l'autre personne ne soit pas méprisée, insultée ou rabaissée, je ne suis pas dans la dispute. Je revendique mon droit, mais tant que je ne l'insulte pas, je ne la méprise pas et je ne la rabaisse pas. Je rappelle le verset d'Allah, wa qulu lin-nasi husnan, et dites des paroles bienveillantes aux gens. Alors, si je reprends ce verset, vous savez, subhanallah, parfois il y a des tensions entre les jeunes et la sécurité, et ça c'est très important. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas tort, tout le monde a tort, ça peut être la sécurité, ça peut être les jeunes qui ont tort, mais Allah nous a demandé le juste milieu. On est la communauté du juste milieu, quand on est la communauté du juste milieu, on se doit aussi d'être juste dans nos paroles envers les autorités, envers la sécurité. On n'a pas offensé quelqu'un, d'accord? Et puis l'autre n'a pas à nous offenser. La justice, elle est pour tout le monde. La paix, elle est pour tout le monde. Donc, quand on est dans une dispute, quand on se dispute avec quelqu'un, que ça soit un proche, que ça soit en privé, en public, les forces publiques, eh bien, tant que l'autre personne, voilà, est en face de moi, j'ai le droit de revendiquer mon droit. Tant que moi, je n'insulte pas, je ne méprise pas et je ne rabaisse pas. Je suis dans mon droit de revendiquer un bien ou de revendiquer mon droit. Et Allah Azzawajal nous dit was-sulhu khayr aussi. Et que la réconciliation est préférable. Donc ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la lâcheté que de chercher la réconciliation. Was-sulhu khayr. Allah nous dit la réconciliation est meilleure. Est meilleur pour tout le monde, meilleur pour celui qui revendique son droit, son bien, et meilleur pour celui qui est en face. Si je prends l'exemple d'une somme que j'ai prêtée à quelqu'un, d'accord? Parce que l'argent, c'est souvent une source de conflit, que ce soit dans les familles ou hors famille. J'ai prêté une somme à quelqu'un et puis j'en ai besoin. Ou bien, j'en ai pas besoin, mais je réclame ce bien que j'ai prêté. C'est dans mon droit de réclamer mon bien. Si je m'approche de la personne et je lui dis, voilà, je reviens vers toi, j'aimerais que tu me rends mes 10 000 euros. Et puis la personne va répondre en disant, ben tu sais, je n'ai pas encore tes 10 000 euros. Je n'ai même rien à te rendre. La somme que tu m'as prêtée, je ne peux pas te la rendre. Et puis, la personne qui a prêté cette somme, cet argent, insiste pour récupérer donc son bien et répond à la personne, de toute façon, tu n'as pas de parole. Là, on est dans le péché. La raison, elle était valable, mais le comportement n'est pas digne. De toute façon, t'as pas de parole. Et puis la personne va répondre par le verset d'Allah, et j'aimerais le mentionner justement, que ça nous serve à tous et à toutes de leçon. Sourate al-Baqara, le verset 280, Allah nous dit: Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maysara wa anta saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et s'il rencontre une difficulté à rembourser la somme, il est préférable de reporter lorsque la situation le permettra. Et si vous faites un don sans attendre, sans report, cela est meilleur si vous saviez. Je répète, je reprends. Sourate al-Baqara, le verset 280. Et s'il rencontre une difficulté à rembourser la somme, il est
préférable, nous dit Allah, de reporter l'échéance jusqu'à ce que la situation de la personne le permette. Alors là, on est en train de parler, par exemple, d'une dette envers quelqu'un, mais c'est peut-être autre chose, hein. C'est-à-dire que on a une quelconque dette envers quelqu'un et on ne peut pas rendre cette dette, ce dû. Allah nous dit, il est préférable de reporter la chose lorsque la situation de la personne le permettra. Et encore meilleur, Allah nous dit, et si vous faites un don sans attendre de report, c'est-à-dire si vous pardonnez, vous fermez les yeux, cela est meilleur si vous le saviez. Allahu Akbar. Law kuntum ta'lamun. Je reprends le verset en arabe. Wa anta saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. J'en ai cité des versets du pardon. Allah nous demande toujours de pardonner. Ça signifie quoi? Que si tu fermes les yeux et que tu choisis de te soumettre au verset d'Allah, sans polémique, sans négociation, cela est meilleur. Alors c'est notre haq, certes, mais si la personne elle est dans la difficulté, Allah nous dit c'est meilleur pour vous, Allah est excellent. Il sait ce qui est excellent pour nous. Et ce qui est excellent pour nous, c'est peut-être le Firdaus al-A'la. Que si je ferme les yeux sur une dette, eh bien, cet acte d'adoration, ce comportement noble et digne de the best, eh bien c'est ça qui me fera entrer au paradis. On ne sait pas comment on va rentrer au paradis. Par une petite sadaqa d'un euro? Par un sourire tellement sincère? Par raka'atin tellement sincère? Par le fait d'avoir pardonné une somme tellement sincère? Par une lecture du Coran tellement sincère? Par des larmes qui ont coulé en soujou tellement sincères? On ne sait pas. Le peu peut être le plus. C'est comme ça qu'Allah nous éduque. Il a enseigné le Coran avant même de créer l'être humain. Voyez, là on est dans la justice. On fait pas mal à la personne et on est dans la justesse, le comportement qu'il faut. On peut reporter l'échéance, Allah a dit, c'est tout à notre honneur, mais Allah il nous dit il y a le degré au-dessus, le degré en plus, the best, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous tester lequel parmi vous sera le meilleur. Le meilleur déjà pour nous-mêmes, d'accord? Et puis c'est bien de relever des défis, hein, d'avoir des challenges dans la vie, c'est ça, puisqu'Allah nous dit إنما الحياة الدنيا لعب ولهو, la vie est un jeu. Ben, relevons le défi. C'est comme ça qu'on relève le défi dans un jeu. Il y a des règles, Allah nous a montré les règles, il y a des directives, il y a le chemin qui mène vers l'obéissance. Le chemin qui mène vers la désobéissance, à nous de relever le défi et d'être the best pour the best, c'est-à-dire al-Firdaus al-A'la et encore au-dessus the best pour Allah Azza wa Jal. Il est l'excellent, il est magnifique, il est bon, il est beau, il est bienveillant envers nous et de manière excellente. Et si on continue, subhanallah, alors que la personne, elle nous a cité le verset en nous disant, voilà, reporte, parce qu'Allah nous a demandé qu'il était mieux de reporter si je n'ai pas la somme. Si la personne, elle persiste parce que le cœur n'est pas encore purifié de toutes ses couches, la personne, elle va répondre, oui, mais maintenant tu parles avec le Coran. Et maintenant, tu parles avec le Coran. Vous voyez, subhanallah, quand on se met à parler comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est détourné des versets, ça ne nous a même pas impacté le cœur. La crainte n'y était pas. On n'a même pas dit « Sami'na wa ata'na » et on est tombé encore une fois dans cet orgueil, dans ce mépris. Et le plus dur des mépris, c'est le mépris de soi. Quand on se méprise, quand on tombe dans l'orgueil, quand on n'est pas conscient qu'on est dans le péché.
Voyez que quand Allah nous dit qu'il va nous éprouver, même dans nos anfus, les âmes, notre âme est éprouvée à ce moment-là. C'est-à-dire que je récite un verset et tu critiques les propos. Ah, mais maintenant tu t'amuses à sortir des versets. Non, mais pour qui tu te prends? Ah, maintenant tu es devenu le frère muse, la sœur muse. Vous voyez, subhanallah. Et encore, on critique la personne, et on critique ses propos, et encore pire, on critique les versets d'Allah, azawajal. On n'a même pas eu l'humilité de les accepter. On s'est détourné des versets par orgueil. Toutes ces maladies de la langue, les maladies du cœur sont interdites, elles sont péchées. Il faut s'en prémunir, s'en protéger. Allah nous a demandé de nous protéger contre l'orgueil, fasta'idh billah. Il est important de se remettre en question, de se dire que j'ai un objectif aussi dans ma vie, de plaire à Allah, certes, mais de développer une stratégie, je le répète, et encore, un objectif sans stratégie, ça ne reste qu'un rêve, a dream, hulm, et on peut toujours rêver. Développer une stratégie, c'est faire des efforts, prendre conscience de nos erreurs. Alors, voyez tous ces rappels, c'est pour cibler un peu là où on faute. Fauter, c'est une chose, se relever, c'est tout à notre honneur. Il est important de rester digne, de ne pas rabaisser notre âme, rabaisser les autres, de rester digne, classe, dans nos propos, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos gestes, dans notre manière de dialoguer avec les autres, dans notre manière de discuter avec les autres, dans notre manière de nous disputer. C'est très très important de connaître ces maladies, ce qui fait mal à l'âme, ce qui fait mal au cœur, ce qui fait mal au corps aussi. Qu'Allah nous guide vers le meilleur, puisque Allah nous a dit que ce Coran guidait vers le meilleur. Le meilleur, c'est cette communauté aussi, la communauté du meilleur. Vers le meilleur, vers le Firdaws al-A'la, vers la rencontre d'Allah. Il se peut que certains nous quittent pendant Ramadan, mettez l'intention, il se peut qu'on se quitte après Ramadan, il faut toujours renouveler son intention. Allah Azzawajal nous dit: Wattaqullah, wattaqu, pardon, yawman turja'una fihi ila Allah, et craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. Donc voyez que la crainte doit être ancrée. Quand je dis crainte, crainte dans les propos, crainte dans les âmes, dans les actes et crainte aussi du jour du jugement. Malik Yawmiddin, il est le roi par excellence du jour du jugement. Il va nous juger de manière juste et il va nous juger aussi de manière excellente, avec rahma, bienveillance et considération. Même celui qui aura une bonne action aura le mérite d'entrer au paradis. Et quand la raison n'est pas valable, eh bien, elle est interdite, la dispute est interdite quand la raison n'est pas justifiée. Ok, on veut faire du mal à l'autre. Ça arrive souvent dans les relations, chez nos proches, les relations conjugales. Parfois, c'est pour une raison non valable, juste dans le but de tenir tête. Juste pour ça, tenir tête. On est dans la dispute, oui mais t'as dit ça, oui mais tu fais ci, et on rappelle ce qui s'est passé avant, les anciens dossiers, les anciennes erreurs, tout ça constitue des péchés. Waqulu lin-nasi husnan, et dites des paroles bienveillantes aux gens, c'est un ordre d'Allah. Il n'y a pas à polémiquer des versets d'Allah. On n'a aucune preuve de toute façon, à part les preuves d'Allah qui sont très claires. Parce que quand il n'y a pas de raison valable, qu'est-ce qui se passe dans les disputes conjugales, dans les disputes fraternelles, dans les disputes amicales, dans les disputes parentales et autres? La personne va bouillonner. Elle bouillonne. Tirli, comme on dit. Tirli. Vous voyez que la marmite, quand y a des bulles et que c'est très très chaud, la personne se met en colère. Donc on ravive la flamme. Le cerveau, il est capté, il est
accaparé justement par ses propos et on se remémore, il m'a dit ça à ce moment-là, j'aurais dû lui dire ça, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça. Le sommeil ne vient pas. On a du mal à s'endormir parce que le cerveau travaille mine de rien de manière inconsciente aussi ou de manière consciente. Et on va se plaindre aux autres. Tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit, etc. quand il y a une dispute. Subhanallah, j'ai appris qu'une sœur s'est fait massacrer subhanallah, par son mari. Quand je vous dis massacrer, elle s'est fait tabasser par son mari, défigurée au niveau du visage. Il y a une collecte de dons pour elle. Ça s'est passé là récemment pendant le confinement. Vous voyez quand ça remue, parce que en général, les raisons ne sont pas valables. C'est juste on veut tenir tête, juste par fierté, juste par orgueil, par mépris pour l'autre. Et on peut rentrer aussi dans la médisance, dévoiler des secrets de famille et on est dans la médisance. On peut se confier à quelqu'un qui craint Allah pour essayer de trouver une solution, mais quand on est dans la médisance, juste histoire de parler sur l'autre, cela va nous impacter dans nos actes d'adoration parce qu'on ne va pas être concentré puisque le cerveau, il rumine. Et ça va impacter notre cœur puisqu'il est en feu. On va y revenir, Inch'Allah, dans la colère, comment ça se passe, toutes les étapes de la colère par rapport au cœur. Et on perd notre dignité. On perd notre dignité. Polémique, mépris, dispute, on perd notre dignité. On n'a plus cette noblesse, cette classe d'être un musulman et un croyant avec une foi et une crainte enracinées. On s'est fait du mal, on a fait du mal aux autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ash-Shura, le verset 37, والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Ceux qui évitent de s'approcher des grands péchés et des autres péchés, et lorsqu'ils sont pris de colère, ils pardonnent sans se venger. Voyez comment Allah nous éduque. C'est-à-dire que ceux qui évitent de s'approcher des grands péchés, c'est un moyen, une stratégie pour ne pas tomber dans les maladies du cœur, et qui évitent les autres péchés également. Et lorsqu'ils sont pris de colère, ils pardonnent sur le champ sans se venger. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire aussi? Que quand on arrive à la colère, c'est que nous-mêmes, on était dans les péchés. Péché sur péché, péché sur péché, on arrive très facilement aux grands péchés. Les péchés de la langue, les péchés du cœur, les péchés des mains, les péchés du ventre, les péchés des parties intimes, toute forme de péché. Et quand on est en cet état-là de péché, et on ne s'en est pas purifié, on n'a pas lavé nos péchés, eh bien la colère est très facilitée, tout simplement. Allah est en train de nous montrer le processus de la colère, péché sur péché. Quand on évite les grands péchés, quand on évite toute forme de péché, on est sous la lumière d'Allah. لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Et celui qui voit par la lumière d'Allah va voir les versets, va voir l'excellence d'Allah, va se soumettre et obéir bon gré à son Seigneur, à sa majesté, à son excellence, et ne va pas tomber dans les péchés. Et quand il est pris de colère, ça peut arriver qu'on soit énervé, hein. Mon fils il m'a énervé, ma fille m'a énervé, mon époux m'a énervé, mon épouse m'a énervé, mes parents aussi dans leur comportement, et on pardonne tout de suite avec facilité, on se rappelle Allah. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Parce que Shaitan est là pour planter ses aiguillons, les aiguillons de la haine, de la rancune, de la jalousie, du mal. Mais à nous de nous souvenir d'Allah. Et puis vous voyez, subhanallah, tous ces lives, vous ne vous en rendez pas compte, mais la lumière d'Allah est là, la rahma d'Allah est là, et ça vous a impacté
de manière inconsciente, de manière consciente, et ça agit sur votre cœur, sur votre âme. Et puis, mashallah, on a envie de revenir et de revenir et d'écouter, parce que c'est Allah qui a fait descendre sa rahma. Moi, je ne suis qu'un moyen, vous savez, hein, subhanallah. Je ne suis qu'un moyen. Mais Allah, lui, nous a fait don de ses cadeaux excellents. Ils pardonnent, ils ne sont pas dans la vengeance. Voilà le comportement digne. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal pardonne. وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ceux qui pardonnent, pardon. وَلْيَعْفُ, qu'ils pardonnent sans reproche. Ne voulez-vous pas qu'Allah pardonne ? Vous pardonne ? Ça veut dire quoi ? Que si on pardonne aux autres, il faut bannir l'expression « j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié », c'est pas du pardon. Si on prend l'exemple d'Allah, si Allah le jour du jugement nous dit « je pardonne mais j'oublie pas », ben, la page, elle n'est pas blanche. Donc il est important de pardonner véritablement, complètement, entièrement, sans reproche, sans rappeler les erreurs, sans rappeler les anciens dossiers. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Ça, c'est une question à laquelle chacun va devoir répondre. La dispute des deux compagnons, souvenez-vous, hein, la rahma d'Allah a été retirée. Il faut se poser la question, les disputes se sont multipliées dans les familles, beaucoup de disputes à tel point que la mort n'est plus un rappel dans les familles, c'est-à-dire qu'on perd un proche, un parent, un père, une mère, et puis on se chamaille par exemple pour l'héritage. Les familles se disloquent, elles se divisent, elles se cassent, elles se brisent. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on est sûrement tombés dans les grands péchés, dans les péchés, et on est dans les disputes, dans la non-remise en question. Il y a trop d'accumulation, on n'a pas vidé notre cœur, on doit demander pardon à Allah, l'istighfar, demander son aide pour être the best. Allah nous dit, en parlant de l'histoire de Daoud, alayhi salatu wassalam, t'est-il parvenu l'information, l'histoire de ceux qui ont enjambé le temple lorsqu'ils sont entrés chez Daoud et Daoud a pris peur? Ils lui ont dit, n'aie pas peur, nous nous sommes disputés et nous avons dépassé les limites. Sois un juge pour nous en toute vérité, sans t'éloigner de la justice. Et guide-nous, oriente-nous vers le bon chemin. Allah nous dit dans Sourate Sad, le verset 21, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Alors, c'était une histoire impressionnante où il y avait deux hommes qui ont enjambé donc le mur de la protection de Daoud alayhi salatu wassalam, et ils sont rentrés dans le temple. Daoud ne s'y attendait pas, il était en adoration et il a eu peur. Et les deux hommes lui ont dit, n'aie pas peur, on vient te demander de trancher entre nous deux en toute équité parce qu'on s'est vraiment disputé. L'un avait 99 brebis et l'autre en avait une. Celui qui avait 99 brebis voulait posséder la brebis de l'autre pour avoir les 100. Et Daoud, alayhi salatu wassalam, donc a pris part tout de suite du premier. Il lui a dit, oui, voilà, j'aimerais avoir la sienne. Sans entendre la version de celui qui avait une seule brebis, Daoud, alayhi salatu wassalam, lui a dit, laqad dhalamaka biniajik, tu as été injuste envers lui. Et alors que c'est vrai que celui qui avait 99 brebis, il n'arrêtait pas de solliciter celui qui avait une seule brebis, confie-la moi, elle va manger avec les autres. Et celui qui était le propriétaire de cette brebis ne voulait pas. Et celui qui était gourmand la voulait, et ils ont demandé à Daoud alayhi salatu wassalam de trancher. Et Daoud alayhi salatu wassalam a été injuste puisqu'il lui a dit qu'elle revenait à celui qui avait les 99 brebis.
Et quand il est entré dans la salat, quand je vous dis que la prière est une lumière, le prophète alayhi salatu wassalam a insisté là-dessus. As-salatu nour, Allah l'a éclairé dans la salat, il l'a fait rak'atin, et il s'est souvenu, il a compris qu'il a été injuste envers celui qui possédait une seule brebis. Daoud alayhi salatu wassalam s'est effondré au sol. Kharra! Il s'est effondré, il s'est jeté au sol et il s'est repenti de son erreur d'une grande et une immense humilité. Action, réaction. À nous de nous écrouler au sol. Et quand on est en soujoud, en prosternation, on demande à Allah de nous pardonner. Il est important de ne pas passer, de laisser passer les jours passer parce que on peut oublier nos erreurs, nos péchés. Les péchés, ça se nettoie tous les jours, constamment, 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 du matin au soir, et Allah se rapproche de nous au dernier tiers de la nuit pour nous dire, y a-t-il quelqu'un qui veut se présenter en toute humilité, et je suis là pour lui pardonner. Allah nous dit que ce Coran guide vers le meilleur, les histoires de nos nobles prophètes nous guident vers le meilleur, puisqu'on aspire à s'améliorer, à changer, à se réformer, à être humble de plus en plus, tous les jours, de mieux en mieux. N'oubliez pas avant le ftour, avant l'adhan, qu'il faut invoquer Allah Azzawajal, invoquer, 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 qu'Allah nous aide à nous réformer tous ensemble. Qu'il nous pardonne à nous tous et qu'il fasse de cette communauté la communauté véritablement du juste milieu. C'est une belle communauté qui aspire au meilleur, pour le meilleur, et qu'Allah vous accorde le meilleur, al-Firdaws al-A'la, et encore meilleur la rencontre avec Allah. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah vous récompense infiniment pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre participation, pour vos messages aussi. Je ne peux pas tous les lire, je vous le redis à chaque fois, et ça c'est important hein, de le comprendre. Parfois quand je reprends les lives, je vois, mashallah, 2000 messages, 2000 commentaires, je ne peux pas tout lire. Voilà, l'essentiel c'est d'être présent et à chaque fois de se réformer, de mettre l'intention de changer pour qu'on puisse être apaisé aussi. Si vous avez des questions, bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, si vous avez aussi des remarques, hein, mashallah, si ça a encore amélioré votre état, votre spiritualité, votre motivation, votre détermination, si autour de vous ça a changé aussi, pas que vous, mais autour de vous. J'ai vu, mashallah, que les enfants, ils étaient motivés, ils aspirent aussi à satisfaire leur Seigneur. C'est magnifique quand tout le monde s'y met. Bismillah. Bon Ramadan, barakallahu fik Anis, qu'Allah te récompense infiniment. Bon Ramadan et un Ramadan béni à tout le monde. Le tarawih, il se fait à la maison. C'est aussi une sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il l'a fait au début pendant 3 jours à la mosquée. Et ensuite, il s'est retiré à la maison. Il faisait tarawih à la maison. Donc nous avons deux sunnas, soit à la mosquée, soit à la maison. Alors, je souhaite porter le voile, est-ce que je peux ou je dois attendre? Ortie, Lilia, 14 ans. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche qui t'appartient. Suis ton cœur, Benti. Vois avec tes parents, ça serait bien que tu en parles aussi avec tes parents. Et voilà, parce que ça, il y a des conséquences aussi quand tu vas aller au collège, au lycée. L'extérieur, il faut que tu en discutes vraiment avec tes parents. Se rappelle ton bapik, machin là. Où est-ce qu'il est? Oui, la doua exaucée avant l'adhen, hein, avant l'adhen, hein. Prenez un quart d'heure et débitez dans les doigts. Si on rate le fajr, on a combien de temps pour le faire? Jusqu'au chourouq. D'accord?
jusqu'au Shuruq. Vous prenez l'application, il y a Shuruq, c'est cette limite-là. Ça améliore, mashallah, Anessa, ça améliore et ça améliore. Votre rappel qui tombe à pic, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, Mélissa, Allahu Akbar. Vous voyez, subhanallah, en plus ça tombe là pendant Ramadan, ce rappel surtout, puisqu'on se prépare pour la nuit du destin. On se prépare, hein, vraiment, on nettoie, on déblaye, on déblaye, on déblaye. J'espère que j'aurai vraiment fini, bi-idhnillah, avant, oui, normalement j'aurai fini avant la nuit du destin. Je suis enceinte de 5 mois, qu'est-ce que je dois faire? Tu les rattrapes après, plus tard, d'accord? Ma vie change en meilleur, autour de moi c'est pas évident, d'accord? Alhamdulillah, commence par toi-même, Allah mettra la baraka et tu changeras, bi-idhnillah. Ça changera aussi autour de toi. Peut-on lire le Coran à la maison sans mettre le foulard? Oui, mais c'est préférable, s'il vous plaît, avec le voile, c'est pour plus de concentration. Quand on subit une injustice, on a du mal à pardonner sur le moment, certes, mais voilà, donne-toi juste quelques jours et demande l'aide d'Allah, parle à Allah en soujoud, vide ton cœur et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Alors mon fils a jeûné, mashallah, qu'Allah te récompense infiniment, Waldi, si tu peux faire un petit peu de dhikr, si tu peux lire un petit peu de Coran, réviser ton Coran. On a beaucoup beaucoup de hasanat pendant Ramadan. Oui, il peut t'aider par exemple dans la cuisine, ce sont aussi des actes d'adoration, puisque vous savez, subhanallah, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose de normal chez les compagnons et dans la maison du prophète alayhi salatu wa sallam, que d'aider son épouse dans les tâches ménagères. Les choses s'éclaircissent sur le fonctionnement du roi, du cœur, des soldats, mashallah, c'est très bien, Allah yberk. Le dernier tiers de la nuit, c'est quand? On va dire c'est à peu près 2 heures avant le fajr. Vers 3 heures du matin à peu près. Mais vous pouvez prier pendant 1 heure, pendant 1 demi-heure, etc. Levez-vous, ça vaut le coup puisque les hasanats sont multipliés. J'essaierai de faire un rappel sur le voile, bi-idhnillah. Vous savez, on parlait du voile avant qu'il y ait ce verset qui a été révélé par Allah. Le prophète a fait un grand travail sur les compagnons à la Mecque. Et puis, voilà, l'État islamique va naître à Médine, mais il fallait travailler sa foi avant tout. D'accord? C'est important de ne pas griller les étapes. Ma fille de 13 ans se lève après le fajr, elle a bu de l'eau, est-ce qu'elle refait le jour ou pas? Oui. Normalement, on s'arrête au fajr. Quand il y a l'adhan du fajr, c'est la limite pour s'arrêter. Après, c'est interdit de consommer quoi que ce soit ou d'avoir des relations intimes. Vous entendez l'oiseau? Alors, Fatima, j'ai une maladie incurable, je ne peux pas faire Ramadan. Oui, ben écoute, c'est une dérogation qu'Allah t'a permis d'avoir, d'accord? Donc, si tu ne peux pas jeûner absolument, ben tu sais, les invocations du malade sont exaucées. Alors, invoque Allah pour nous. Ça fait du bien au cœur. Je suis beaucoup plus patiente, machin là. Vous voyez, ça, c'est des bons messages d'encouragement.
On s'encourage tous, comment se rappeler qu'on s'est repenti des péchés de la langue face à certaines situations. Alors on demande à Allah de nous pardonner pour ce qu'on sait, pour ce qu'on ne sait pas aussi. D'accord? Pour tous nos péchés. Je suis enceinte et que je me sens pas bien, est-ce que je dois remettre mes jours après ou pas? Alors, avis médical, s'il te plaît, Orti, Yanis, Lilia, avis médical. Si le médecin te déconseille de jeûner, tu ne jeûnes pas, tu reportes ton jeûne. Tu jeûneras, tu rattraperas plus tard. La différence entre le shafa et le water, le shafa, c'est deux unités, le water, c'est une seule unité, tout simplement. Shafa en arabe veut dire père, water veut dire un père. Comment tu fais pour pas t'énerver? La patience, trouver des excuses aux autres, d'accord? De se dire que l'autre, ben, il a ses défauts, l'autre peut-être il passe une situation difficile et qu'on n'aimerait pas être à la place de l'autre. Et Inch'Allah, le chant des oiseaux t'accompagne, Jamila. Ils font du dhikr, ils célèbrent les louanges d'Allah. Ils font le dars avec moi, ils répondent aux questions. Ils sont en train de nous tous nous motiver. Continuez, continuez, ils nous disent. Pour les intérêts, je suis très claire. Voilà, moi, mon avis sur les intérêts, je me base sur le verset wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Et Allah a permis le commerce, la vente, et il a interdit les intérêts, tout simplement. La fédia, apparemment, j'ai reçu un message tout à l'heure qu'elle était de 5 euros. Moi, il me semblait que l'année dernière, elle a été légiférée à 7 euros. La fédia, le mieux, c'est de la donner en France. Je vous assure, il y a des personnes qui manquent de nourriture, qui ne mangent pas à leur faim, même les étudiants. C'est Subhanallah, ici à Lyon, il y a un étudiant sénégalais qu'on a retrouvé mort au Crous. Voilà, confiné, et je pense que Allahu alam, je pense qu'il est mort peut-être de faim. Comment renouveler sa foi avec la ilaha illallah? Le prophète alayhi salatu salam a dit: Jaddidu aymanakum bi la ilaha illallah. Renouvelez votre foi avec la ilaha illallah. Intégrez-le dans votre dhikr. La ilaha illallah, 1000 fois et vous allez voir des miracles. Et j'en profite justement pour raconter encore une nouvelle fois cette histoire de Khalti. Je ne sais pas si elle nous regarde, si elle est là, Khalti, tu me feras signe. Voilà, elle m'a appelée, mashallah, et elle me dit, voilà, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Et je lui ai dit, fais le dhikr de la ilaha illallah 1000 fois et tu verras, mashallah. Et elle m'envoie un message, un texto, elle me dit, dis-moi, Samah, quelles sont les vertus de la ilaha illallah? Je lui dis, ben fais-le et tu verras par toi-même. Allah te montrera quelles sont les vertus. Et Allahu Akbar, elle va faire tous les jours la ilaha illallah, elle va se sentir de mieux en mieux, de mieux en mieux. Même son cœur, mashallah, va aller de mieux en mieux. Et puis le mal de tête a disparu. Et subhanallah, elle va aussi encourager son fils qui était en demande d'emploi. Faire la ilaha illallah et subhanallah, en quelques jours, il va trouver du travail. Une porte s'est ouverte. La force de la ilaha illallah. Le dhikr, il n'y a pas de mystère. S'il vous plaît, ne cherchez pas les solutions au-delà de ce qu'Allah nous a demandé de faire, c'est-à-dire l'istighfar. Demander pardon à Allah, c'est une force. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une force. Le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Toute autre forme de dhikr, c'est une force. Le Coran est une force. Quand on mentionne Allah, on se souvient d'Allah, Allah se souvient également de nous. On ne peut pas aller au-delà, invoquer Allah avec humilité, une prière avec humilité, réciter la Fatiha avec humilité, l'istighfar avec humilité. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous m'avez envoyé des messages pour me demander quelle solution, quel conseil. Voilà, ils sont là les conseils, la réforme de soi. Et puis la réforme pour le garder, pour rester toujours dans cet état.
Qiyam el-Layl de 3h, de 3h jusqu'au Fajr, oui. Où ça s'arrête? Non, jusqu'au Fajr. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va. La ilaha illallah, c'est bien de le dire 1000 fois, l'istighfar 1000 fois. C'est à vous de voir. Allez à votre rythme. Même 100 fois, c'est déjà bien. Mais le conseil que j'avais donné à la sœur, c'était 1000 fois. Et subhanallah, une fois, j'avais une intervention en Belgique. Je n'avais pas dormi pendant 24 heures. Hein, et j'avais fait ce dhikr-là, subhanallah. Et je vous assure, hein, moi qui aime le sommeil, et mashallah, pendant 24 heures, je n'étais pas pris par la fatigue. Et j'ai pu arriver en Belgique et faire ma conférence. Un grand salam à toutes mes sœurs et à tous mes frères de Belgique. Qu'Allah vous accompagne aussi. Mille fois. Moi, le dhikr que j'avais conseillé, c'était 1000 fois. Maintenant, vous allez à votre rythme. Allah n'a pas légiféré un nombre précis. Allah a dit: Wadhakirin Allah kathiran wadhakirat. Ceux qui se souviennent beaucoup et mentionnent beaucoup le nom d'Allah. On va faire doua parce que j'ai une intervention juste après à 17h. Hein. Je suis de Belgique, Nejma, grand salam. Tu étais à Liège, il n'y a pas si longtemps, oui. À Liège, oui. Dans la mosquée Sunna. Allez, bismillah, on va faire doua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي، اللهم ارحمنا بترك الشهوات، اللهم ارحمنا بترك الكبائر، اللهم ارحمنا بترك الفواحش، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم والميتين يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك. اللهم ارحمنا بالإسلام، اللهم ارحمنا بالإيمان، اللهم ارحمنا أينما كنا يا رحيم يا رحمن. اللهم تشافي لا شفاء إلا شفاءك، اشف جميع المرضى من المسلمين يا رب العالمين.
اللهم اهدي شباب هذه الأمة، اللهم اصلح شباب هذه الأمة، اللهم اجعل قوة الإسلام في قوة هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah vous protège, vous illumine, qu'Allah vous élève, qu'Allah fasse que vous puissiez, on puisse tous profiter de ces lives pleinement, de sa rahma pleinement. Je vous dis à demain, inshallah, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous embrasse toutes mes sœurs et un grand salam à mes frères.